bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc la dernière fois on avait été au Festival des Glaces, on a eu un concours de pêche et nous avons gagné. Nous avons eu ces lots-là, donc des appâts, des crochets, un autre chapeau et une cuillère colorée, donc je sais pas exactement à quoi ça sert, mais voilà. Du coup, objectif du jour, je suis allée voir en hors caméra le prix qu'il fallait pour améliorer à nouveau la maison. Donc il faut 50 000 d'argent plus 150 pièces de bois massif. Donc étant donné que je n'ai plus de souche à casser qui m'en donne dans ma ferme, je sais que quand j'en trouve des fois c'est dans la mine. Du coup on va aller à la mine histoire de trouver de nouveaux morceaux de bois massif, tout en descendant et trouvant de nouveaux minerais pour améliorer encore nos outils. Car si vraiment les bois massifs se font rares et que je ne trouve pas, si vous savez comment en trouver, n'hésitez pas à me dire. Je pense que du coup j'améliorerai mes affaires. Donc là je dois passer ma hache en acier, parce que j'avais amélioré la pioche en acier. Mais... Ouh, je connaissais pas ça. Mais le souci c'est que bah, j'avais acheté les minerais directement au forgeron, du coup ça me revenait plus cher que d'aller les miner moi-même. Du coup, on s'était arrêté à l'étage 35. Donc là par contre j'ai rien pour me... Oh, pour me soigner. Oh putain j'avais pas vu. Zut zut zut. C'est vrai que c'est des horreurs à tuer par contre ceux-là. Heureusement qu'on peut spam clic. On peut récupérer comme ça. Voilà. Donc, à la recherche du coup de barils de bois, de caisses de bois qu'on pourrait trouver dedans. Cette partie de la mine a l'air petite du coup. Hop, voilà, on va descendre direct. Donc, tout ce qui est cuivre et tout, on va continuer à récupérer par contre. Ah, saleté. On dirait des putains de zombards. Voilà. Ah, avec cette pioche, le minerai se récolte plus facilement. J'ai l'impression. Putain, saleté. Hop. Voilà. Toujours des horreurs à trouver, j'ai l'impression. Enfin, à tuer ces horreurs. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Nouveau minerai. De l'améthyste. Nickel ça. Nickel chrome. Là, il y a pas mal de pierres, donc si on cherche la sortie, je pense qu'on va devoir chercher ici. Tac, ça dégage ça. Hop. Minerai, encore. Ça permettra d'améliorer. Justement, je pense que je vais profiter qu'on soit encore en hiver pour améliorer l'arrosoir. Parce que c'est un objet qu'on a besoin tout le temps et vu que tu fais de plus en plus de grosses parcelles de culture afin de récupérer beaucoup plus d'argent, il serait mieux que j'ai beaucoup plus de contenu dans l'eau. D'eau dans l'arrosoir. J'arrivais plus à trouver mes mots. Je sais pas comment ils spawnent ces mobs, c'est bizarre. Hop. Voilà. Tac. Du quartz encore. Tout ça après on pourra le revendre. Pour le quartz et l'améthyste. Je crois que l'améthyste j'en avais déjà donné au musée en plus. Je sais pas, faut que j'ai un doute là. Faudrait que j'aille vérifier. T'approcheras pas mon gars. Voilà. Surtout qu'il donne que de la pierre. L'arnaque. Bon, rien de particulier ici. Hop. Oula, oula, il y en a deux là.
Allez les gars, je vous attends. Allez, le dernier. Non, mais ils ont la peau dure, hein. Je sais pas comment on appelle les... Je sais plus comment on appelle exactement, enfin, je sais pas du tout clairement le nom de la plupart des mobs du jeu. Donc si des gens savent les noms, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien savoir. Il doit bien avoir des noms. Voilà. Il y en a encore un. Allez. Je vais bien l'avoir. Voilà. Oh, un morceau de charbon, il a été généreux lui. Ah, c'est pas de la. C'est quoi ça? C'est du topaze. Donc déjà l'échelle est là. Pas besoin de creuser pour la chercher. Hop. Encore. On va éviter de mourir parce qu'on est déjà mort plus d'une fois dans les mines et on veut éviter quoi. Dirait que c'est comme s'il y avait quelque chose au sol là, c'est bizarre. Bon, rien de particulier là. On a quasiment de quoi pouvoir faire assez de lingots pour améliorer l'arrosoir justement. On va tout améliorer dès qu'on peut. Allez, oust, oust. Voilà, bon, rien de particulier, il m'a donné un minerai de fer, lui. C'est pas un petit morceau qui va me permettre de faire un lingot. Hop, on va continuer à descendre. Tac. Hop. Là. Hop, ça dégage comme ça. Encore. Ils sont tapis dans l'ombre en fait, ces saloperies. Voilà. Du quartz. Et du charbon. Oula, j'ai eu un petit freeze. Chauve-souris aussi qui a tenté, mais non, ça marche pas comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de particulier. On descend. Ah, un nouveau coffre. Un lance-pierre. Donc ça, le lance-pierre, je l'avais eu déjà dans mes autres parties. Déjà, je sais pas comment on obtient les petites choses, les petites pierres qui nous servent normalement à pouvoir justement tirer. Et j'en ai jamais eu l'utilité. Ah, là on passe dans une partie glaciale. Donc là je pense qu'on retrouvera pas les sortes de mobs là, d'ombre. Petit type zombie. Par contre, eux, ils sont très résistants aussi. Ah, voilà une sorte de caisse pour avoir du bois massif en général. Mais des fois, il n'y en a pas. L'arnaque. On descend. Alors. Je sais pas c'est quoi cette bestiole, mais c'est très chelou. Ça donne des morceaux de charbon. Une larme gelée. Ah, ça va être quelque chose qui va finir au musée, ça. On va découvrir ensemble comme ça. J'aime pas quand ça devient grisé comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon signe, j'ai l'impression. Il y a un peu trop de monde là. Pourquoi il y a autant de monde? On va descendre. Ouh.
Encore. Elle me poursuit, ces chauves-souris, c'est pas possible. Ah, de l'améthyste. Je me disais, ce caillou est bizarre. Allez, viens là. Putain, elles sont résistantes. Ouh. Une carotte souveraine. Souterraine, pardon. Ah, voilà, vous voyez du bois massif. Allez, allez. Donc on va pas tarder à sortir des mines. Je pense qu'on va monter à l'étage 45 et après on va sortir de la mine. Ça bouffe les minerais, on dirait. Enfin, les comment? Ouh, je crois que j'en ai pas mis ça aussi. Hop. Ça bouffe les cailloux. Allez, dégagez les petites bestioles. J'ai l'impression que cet endroit est assez grand. Dégage-toi, la chauve-souris. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre, il y a quelque chose à chaque fois dans ce genre de galerie. C'est bizarre. Tac. Toujours bon à récupérer ces trucs, ils ont toujours plein de pierres. Et on descend. Comme ça, on a le nouvel étage. Donc on va remonter. On se dirige vers notre maison. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller voir vite fait juste. Non merde, j'ai pas ce qu'il faut, je crois. Non, tant pis. J'ai pas l'outil qu'il faut. On va essayer peut-être avec ça. Non, j'ai clairement pas l'outil qu'il faut. Parce qu'en général, quand il y a des petits vers de terre, il y a peut-être quelque chose. Oui, je sais, il se fait tard. Il est que minuit, hein. Enfin, voilà. Donc, hop. Oh, ça, je savais pas. Fruit cristallin. D'accord. Ça, on va le garder. On va le garder pour les sortes de petites tablettes qu'on a dans le centre communautaire. Donc, hop. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager. Ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui venaient de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et pour les intéressés, le lien de mon Discord, de mon Instagram et de mon Twitter sont dans la description. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.